Au plaisir de vous retrouver au compte de cette édition hebdomadaire, l'essentiel de l'actualité de la semaine. À tous, bonsoir et bienvenue. À présent, pour les titres. La suspension de toute participation à la procédure judiciaire visant les prisonniers a été levée ce mercredi par le collectif des avocats de ces détenus à l'occasion d'un point de presse. Un homme en uniforme a été tué lundi suite à des affrontements entre élèves et agents de force de sécurité à Dandanou, une localité située à 24 km du chef-lieu de la sous-préfecture de Konkan. Après son exploit au champ, Kamfori Lapé-Bangoura, entraîneur du Sili local, a été désigné par ses pairs président de l'Association des éducateurs et entraîneurs guinéens à Conakry. Le collectif des avocats des détenus politiques a fait le point de la situation de leurs clients ce mercredi. Au cours d'une conférence à la Maison de la Presse, ils ont réitéré la suspension de toute participation à la procédure visant ces prisonniers. C'est un compte-rendu d'Alpha Omar Diallo. Le collectif des détenus politiques à la Maison centrale de Conakry fait l'état des lieux quelques semaines après la suspension de sa participation à la procédure concernant ses clients. Ses membres dénoncent plusieurs cas de violation du droit. Cet avocat cite quelques aspects. Nous sommes dans ce dossier dès après le 18 octobre 2020. Le 9 février 2021, le collectif a relevé le caractère fallacieux des chefs d'accusation. Les arrestations arbitraires prolongées et de surcroît la violation répétée et intolérable des droits de la défense. Ces conseillers des détenus affirment que la plupart d'entre eux sont malades à cause des mauvaises conditions de détention. C'est pour vous dire qu'ils sont pratiquement tous malades. Et ces maladies sont liées à leur état de santé. À leur état, à leurs conditions de détention. Vous savez, chacun de nous traîne une maladie, n'importe laquelle, mais résiste. Alors, si vous êtes privé de liberté, vous vous retrouvez dans une certaine situation, la maladie ne peut que s'empirer. C'est le 16 février que ses avocats ont suspendu toute participation à la procédure engagée contre Ousmane Gawal Diallo, Ibrahim Chérif Ba, Selou Baldé, Abdoulaye Ba, des membres du parti IFDZ, sans oublier Étienne Soropogui, président du mouvement politique Nos Valeurs Communes, et des centaines d'autres jeunes et enfants, tous militants du parti IFDZ. Le procès opposant Fayami Limono à ses anciens collaborateurs du Bloc libéral s'est tenu ce mercredi à la mairie de Ratoma. L'ex-président du Conseil national des jeunes du BLSI sont poursuivis pour diffamation par voie de presse suite à une plainte du président du parti. Les accusés ont nié les faits à leur reprocher. Oumar Kondé, compte rendu. Les faits remontent au mois de septembre 2020, lorsqu'une frange de l'instance du Bloc libéral s'est insurgé contre leur président, Dr Fayami Limono. Ce dernier est accusé d'avoir refusé les résultats du congrès tenu en juillet 2021. Poursuivi donc pour diffamation par voie de presse par Fayami Limono, Tierno Boubacar Baldé et Alimatou Baldé ont rejeté les accusations. La défense estime que les faits existent et que ses clients n'ont fait que les dénoncer. Mes clients ont dénoncé des dysfonctionnements, d'ordre surtout structurel. C'est au sein du Bloc libéral. C'est à une seule occasion que mes clients se sont prononcés par rapport à une personne. C'est notamment leur président, en la personne de Dr Fayami Limono. Mais cela, c'est par rapport à son attitude que mes clients ont estimé dictatorial. Selon l'avocat de la partie civile, les accusés n'avaient qu'un seul objectif, nuire à l'image de son client. La conférence de presse qu'ils ont tenue le 30 novembre 2020 visait simplement à saper l'image de Dr Fayami Limono, à salir l'image de Dr Fayami Limono. Et aujourd'hui, vous avez suivi les débats, ils sont incapables
totalement incapables de rapporter la preuve de tout ce qu'ils ont dit contre Dr Faye Amilmounor. Ils les traitent de dictateurs, ils l'accusent de détournement de fonds, ils les traitent de mauvaise gouvernance des partis, qu'ils dirigent par ethnostratégie. Les accusés sont jugés à la base de la loi L002 portant liberté de la presse en Guinée. Pour cette première audience, 2 sur 6 accusés ont comparu. Le procès a été renvoyé au 10 mars prochain pour la suite des débats. Un gendarme a été tué dans la soirée du lundi 22 février 2021 suite à des affrontements entre élèves et agents des forces de sécurité à Dandano, une localité située à 24 km du chef-lieu de la sous-préfecture de Kankan. Ce mercredi, le président du district de Dandano, contacté par une de nos équipes, a apporté plus de précisions à ce sujet. Les faits se sont déroulés dans la soirée du lundi 22 février à Dandano. À l'origine du drame, la disparition d'une jeune élève qui a quitté la concession familiale suite à une grossesse. Le but de grève que l'aile couchette est perdue jusqu'ici, elle n'a pas retrouvé. C'est le jour que les élèves ont grévé jusqu'à aller battre le bâtiment du président Nimoul 1. Mais c'est le papa de victime. Voilà ce qu'ils ont fait, toujours le grève continue jusqu'à arriver. Il y a un gendarme qui était avec nous, lui a trouvé la mort de cette grève. Après la mort de ce gendarme dans le district, la population vit dans la peur car la ville est envahie par les militaires venus de Zérékouré, Massanta et de Guéguédou. Vraiment, dans notre ville, il n'y a pas de paix. Depuis avant-hier, les militaires sont venus. Avant-hier, c'était 3 chargements. Mais hier, c'était 8 chargements. Ils sont venus saccager, prendre tous nos biens à Dandano 1 et 2. Le président de ce district interpelle les autorités compétentes à leur venir en aide pour éviter le pire à Dandano. Informer le gouvernement de venir au secours parce que leur ordre de mission s'est signé jusqu'à 72 heures. C'est demain qui sera la limite. Dandano, il va dater Dandano calmement. Dandano est déjà daté. Tout le monde est en brousse. Aux dernières nouvelles, la fille portée disparue a été retrouvée dans la ville de Zérékouré. Elle se trouve actuellement dans le camp militaire de la région. Après la COVID-19, la Guinée est à nouveau en situation d'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Des acteurs culturels s'engagent dans la lutte contre cette maladie. Mohamed Traoré et Ibrahima Khalil Silla ont rencontré certains d'entre eux ce mercredi 24 février. Après la pandémie COVID-19, on assiste à la résurgence d'Ebola en Guinée, ce qui place les questions sanitaires au centre de l'actualité. Les répercussions se font sentir à tous les niveaux, notamment dans le domaine culturel. Ce promoteur culturel en parle. Le lendemain nous préoccupe, ça nous préoccupe parce que tout ce que nous avons traversé avec la crise sanitaire liée au Covid-19, donc ça a bouleversé notre réseau, ça a bouleversé notre mouvement, ça a impacté donc notre panier financier, ça a beaucoup plus sur nous financièrement. Mais au-delà de l'aspect financier, mais également au-delà l'aspect mouvement et tout, parce que c'est vrai que gagner de l'argent, c'est déjà bien, mais si vous arrivez à ne pas faire ce que vous avez l'habitude de faire, être en mouvement, organiser des concerts et tout, parce que l'argent, ça vient, ça part. Vous pouvez organiser des spectacles qui ne réussissent pas, mais si vous êtes en mouvement, déjà, c'est très bien pour le moral d'aimer diffuser le spectacle. Ce membre du groupe de musique urbaine, Degui Fostrui, indique que des actions sont menées auprès des autorités. On a l'Agence guinéenne des spectacles, fort heureusement, qui nous a convoqués et qui a pris attache avec le ministère de la Santé pour voir dans quelle mesure, pour ne pas asphyxier les activités culturelles, quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour encadrer et baliser pour que nous, qu'on puisse continuer, que nos entreprises puissent continuer à prospérer. Le ministère de la Culture, à travers donc, l'Agence guinéenne des spectacles, nous accompagne, donc on n'est pas seul, il nous accompagne dans la démarche pour que continuer à vivre la musique. Selon le dernier bulletin épidémiologique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, 5 personnes sont décédées d'Ebola en Guinée depuis la résurgence de la maladie. Une campagne de vaccination est enclenchée depuis le 23 février à Conakry et dans la préfecture des Zérékouré.
Le président Alpha Condé a instruit le ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation et le secrétariat général aux affaires religieuses de retirer les agréments des organisations religieuses qui reçoivent des fonds provenant de l'étranger. Un chroniqueur islamique et imam a réagi à cette sortie ce samedi 27 février. C'est un reportage de Mohamed Saliou Diallo et Ibrahima Paye Camara. Le président Alpha Condé multiplie les décisions jugées impopulaires. Il s'en prend aux organisations religieuses en demandant le retrait des agréments de toutes celles qui reçoivent des financements provenant de l'étranger. Mais ce chroniqueur islamique soutient qu'aucune association islamique, à sa connaissance, ne reçoit de l'aide extérieure. À notre connaissance, d'abord, on ne connaît pas une organisation qui reçoit le financement de l'extérieur. Ça, c'est un. Et on ne connaît pas une organisation qui va à l'encontre des décisions du secrétaire général des affaires religieuses, à plus forte raison, des décisions du gouvernement. Au contraire, ces organisations contribuent au développement de ce pays. Puisque si nous parlons de développement, il faut parler de la paix, il faut parler de l'entente et de l'unité nationale. Donc ces organisations contribuent dans ce sens. Puisqu'aucune menace djihadiste ne plane sur la Guinée, cet imam estime que l'objectif de cette décision se trouve ailleurs. L'appel, c'est vraiment de faire beaucoup attention et de savoir que les religieux dans ce pays, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, les organisations islamiques, c'est les religieux qui les dirigent, donc c'est de faire beaucoup attention et de savoir que ces religieux contribuent beaucoup pour le développement de ce pays, puisqu'on ne peut pas parler de développement sans paix. Depuis le mois de novembre 2020, les organisations religieuses étaient dans les collimateurs du président guinéen. D'ailleurs, il avait ordonné à l'époque à son gouvernement de veiller scrupuleusement au fonctionnement et au financement de ces structures. Ce 27 février est choisi comme journée de don de sang par le centre médical SOS Drépano pour les atteints de la drépanocytose en Guinée. Médecins et personnes de bonne volonté se sont activés pour la réussite de l'activité. Suivez ce reportage de Yaye Oumoubari et Ibrahima Khalil Silla. Nous sommes au centre médical SOS Drépano, Siyanongo, dans la commune de Ratoma. Ces personnes sont venues répondre à l'appel pour le don de sang lancé par le dit centre. Le responsable explique le pourquoi de cette collecte. Donner le sang, c'est une partie de soi, ça ne fait même pas le dixième de ce que la personne a et qui non seulement apporte beaucoup à la vie du malade, sauve même la vie de beaucoup de drépanocytaires. Donc c'est un geste humanitaire, un geste de solidarité envers les malades drépanocytaires. Ce citoyen livre ses sentiments après avoir fait ce don de sang. Le fait de savoir qu'il y a des gens aujourd'hui qui souffrent de cette maladie et qui, des fois, il arrive des moments qui sont vraiment en manque. Et donc, déjà, ce sentiment déjà fait très mal. Donc, dès qu'on m'a dit qu'il y a une collecte de sang aujourd'hui, je me suis dit de me porter bénévole, venir donner mon sang. Rien que de penser qu'un jour, le sang que je donne aujourd'hui va servir à sauver des vies ou à soulager le mal de quelqu'un d'autre, c'est un réconfort moral. Docteur Dramé invite la population à plus de responsabilités en ce qui concerne leur santé. On souhaiterait aussi que les gens viennent pour faire le dépistage parce que la drépanocytose est une maladie qu'on peut prévenir. Prévenir de façon primaire, c'est-à-dire empêcher la naissance d'enfants malades drépanocytaires. Et ceci, c'est par le test de dépistage avant le mariage. Parce que tout un chacun de nous est un porteur potentiel de la drépanocytose dans la mesure où c'est une maladie génétique transmise de parents à enfants. La drépanocytose est une maladie génétique héréditaire affectant les chaînes de l'hémoglobule. Les globules rouges sont déformés et prennent une forme fossile. Sept voitures et un cimetière sont partis en fumée dans la nuit du 26 au 27 février à Sangoya. Le feu s'est réparti dans deux potoirs d'ordures avant d'atteindre un garage, puis le cimetière. Bintou Souma et Ibrahima Paye Camara pour le reportage.
C'est aux environs de 14 heures qu'un incendie s'est déclaré dans ce dépotoir d'ordures. Le feu s'est propagé dans le cimetière, puis au garage où étaient stationnés plusieurs véhicules. Hier, après la prière, j'ai laissé mes apprentis ici pour aller à Lambagne. C'est là qu'on m'a appelé pour m'informer que mon garage a pris feu. En revenant, je me suis croisé avec les sapeurs-pompiers. On a trouvé que le feu a presque tout consumé. Mais heureusement, le quartier est venu en aide. Mais l'origine provient des ordures. Et cette voiture sont partis en fumée. Selon des témoignages recueillis sur place, chaque année, ce cimetière serait victime d'incendies venant des mêmes poubelles. Ses habitants demandent à l'État de délocaliser ses déchets. Nous demandons à l'État et aux bonnes volontés de nous venir en aide afin de clôturer notre cimetière, car c'est pitoyable de voir ces corps brûlés. C'est pourquoi nous sollicitons que toute personne qui visitera les ordures d'ici, qu'elle soit interpellée par les autorités. Nous sommes dans le quartier de Samabine. Tout le quartier déverse les ordures ici. Même là où nous sommes arrêtés là, se trouve l'écho. Je demande aux autorités de nous aider et prendre des dispositions pour mettre fin à cette pratique. Le garagiste qui a vu cette voiture calcinée dans ce garage se demande bien comment s'en sortir avec les propriétaires. Ce vendredi 27 février 2021, l'association des jumeaux et jumelles a officiellement lancé ses activités en Guinée. Ses membres comptent lutter contre la mendicité que subissent cette catégorie dans les rues et devant les mosquées et autres espaces publics. Yaya Bari et Ibrahima Paye Camara pour le reportage. De nos jours en Guinée, plus particulièrement à Conakry, nombre de parents s'amoindrent utilisent des jumeaux et des jumelles pour mendier dans les rues de Conakry. Face à ce phénomène, une association porte déjà la voix de cette catégorie. Après mon cycle universitaire avec mon frère jumeau, je me suis concerté avec des sœurs jumelles. C'est à travers ça que nous avons eu l'idée de créer l'association des jumeaux et jumelles de Guinée. Le but de l'association, c'est contribuer à la valorisation des jumeaux et aussi venir en aide aux plus démunis, surtout nous allons scolariser les enfants. À travers ça, ça peut aider la maman à la conscientiser réellement ce qu'elle fait comme ça, c'est pas bon. Cette structure entend tout de même aller jusqu'au bout. Le ministère de l'Action sociale, grâce à leur soutien, nous pourrons lutter contre ce fléau. Nous lançons un appel aux personnes de bonne volonté de venir en aide à l'association des jumeaux et jumelles pour que ces enfants puissent avoir quelque chose à faire dans la vie. Ces jumeaux et jumelles demandent aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide, ce qui permettra une synergie d'action afin de lutter contre ce phénomène à travers la sensibilisation des. Les visites des candidats pour la présidence de la CAF se poursuivent à Conakry après le Sud-Africain et le Sénégalais. C'est au tour d'Ahmed Diaya, président de la Fédération mauritanienne de football, d'arriver en Guinée. Ce vendredi 26 février 2021, il était à l'hôte de son homologue guinéen, Ibrahim Diallo, reportage. Le président de la Fédération mauritanienne de football, candidat à la présidence de la CAF, a effectué une visite ce vendredi 26 février 2021 à Conakry. À sa descente d'avion, Ahmed Yaya a été reçu par Antonio Soare, président de la Fédération guinéenne de football. Et tout d'abord, je suis chez moi, c'est mon deuxième pays, la Guinée, et je suis bien sûr venu à la fois en tant que frère, en tant que président de la Fédération mauritanienne de football, qui est membre de l'IFOAA, que préside mon grand frère Antonio. Et je suis venu ici pour échanger, discuter de nos relations. Soupçonné d'être le candidat de la FIFA pour la CAF, Ahmed Yaya apporte des précisions. Je ne suis pas le candidat de la FIFA. Elle ne soutient pas ma candidature. Je suis un candidat indépendant, candidat des présidents des fédérations, du football africain, convaincu d'un projet que je veux apporter pour l'Afrique.
venu accompagner son candidat idéal, Souleymane Waberi, justifie sa présence en Guinée. C'est une occasion pour moi d'accompagner mon frère Mayaya et de visiter mon grand frère Antonio, que j'ai très bonne relation avec lui depuis longtemps. Et je voulais visiter, profiter de cette occasion pour voir le travail, vraiment le bon travail qui est fait par mon cher frère Antonio Soare. Ahmed Yaya est à Conakry pour solliciter le soutien d'Antonio Soare pour sa candidature au poste de président de la CAF. Le congrès électif de la Confédération africaine de football est prévu le 12 mars prochain au Maroc. Sport, pour finir cette édition d'information, Kamfori Lapé-Bangoura, entraîneur du Sili local, a été désigné par ses pairs président de l'Association des éducateurs et entraîneurs guinéens. C'était à l'occasion de leur assemblée élective tenue mercredi 24 février 2021 à Conakry. Ibrahim Diallo pour le compte rendu. 55 membres sur 60 de l'Association des entraîneurs et éducateurs ont pris part à cette assemblée. Après la présentation du rapport des activités et celui financier, l'amendement et l'adoption des nouveaux statuts et nouveau bureau exécutif de 11 membres, dont une femme, a été mise en place. Kamfori Lapé-Bangoura, sélectionneur du CILU local, est élu président de cette association. Sentiment de joie, de fierté, c'est quelque part, je me dis, c'est les mérites qui ont été reconnus par mes collègues, par les délégués de cette association. C'est vraiment le moment de remercier tous les éducateurs entraîneurs de Guinée, et je pense leur exaucer aussi au travail, et souhaiter, n'est-ce pas, l'appui de la direction technique, le soutien habituel de la Fédération guinéenne de football pour la formation de ces jeunes éducateurs et de ces jeunes entraîneurs, parce que la Guinée en a besoin. Selon le président de la commission de supervision, cette élection s'est déroulée dans les règles de l'art. Ça s'est passé dans les très bonnes conditions. Premièrement d'abord, la présence massive des membres statutaires. Sur 60, 55 ont répondu à l'appel. Donc le quorum était suffisamment atteint. Nous avons tenu à cette élection. Ils ont présenté le rapport technique. Le rapport technique, les gens ont intervenu. Ça a été un débat, comme on appelle, une idée d'échange de part et d'autre. Après, ils ont présenté aussi un rapport financier, donc qu'on appelle à l'actif. On a mis ça aussi à l'approbation au niveau de l'Assemblée. Après ça aussi, nous avons passé à l'élection du nouveau bureau de l'Association des éducateurs et entraîneurs guinéens. Mohamed Lamine Sylla, réélu pour un second mandat au poste des relations extérieures, parle de ce soir. Non, moi je pense que c'est par rapport à ce qu'on a fait les quatre dernières années. Je crois qu'on te juge en fonction de ce que tu as fait. Du coup, moi, je crois que le bilan global a été bon, surtout à mon niveau. C'est en 2017 que cette association a été mise en place conformément aux statuts et règlements de la Fédération guinéenne de football. Lapé-Bangoura prend la destinée de cette association pour une durée de 4 ans. C'est cet élément de sport qui met fin à cette édition d'information sur Star 20 ans TV. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne suite de programme à notre compagnie.